Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc essayer de vous faire fabriquer ce bracelet donc en macramé. Donc voilà le modèle, avec ici une turquoise et du slam cord, donc qui est du slam cord qui est marron, cacao. Vous avez le même avec une labradorite, donc slam cord cacao une fois de plus. J'ai essayé en noir, c'est très joli aussi. Donc on va commencer par sertir le cabochon. Donc je vous explique ça tout de suite. Donc pour sertir un cabochon, vous avez besoin de plusieurs fils. Donc nous en l'occurrence pour ce modèle, j'ai un cabochon de chez Perlin & Co, donc avec une rainure. Voilà. Qui fait 25 par 18. C'est une turquoise naturelle et on a besoin donc de slam cord qui se présente sous cette forme, qui est plat et qui est du fil ciré. Et donc nous aurons besoin au total pour ce bracelet de 28 fils cirés. Donc on commence par le sertissage donc de ce cabochon en prenant donc un fil que vous allez plier en son milieu. Donc comme ceci. Une fois que vous êtes au milieu, vous faites un petit peu à gauche, vous allez faire un nœud coulant. Voilà. Et vous fixez ce nœud donc avec une épingle à macramé. Vous fixez ce nœud donc sur le plateau à macramé. C'est ce fil qui va supporter tous les autres qui vont permettre de sertir. Donc on va un petit peu plus à droite, on fait un deuxième nœud. Voilà. On le fixe dans le plateau aussi. Voilà. Et on serre l'ensemble de façon à tendre le fil. Donc là c'est parti, je vous montre comment on attache les fils sur ce fil guide, sur ce support qui va entourer le macramé. Donc vous prenez votre premier fil, même chose, vous le pliez en deux, donc vous cherchez son milieu de cette façon, ça vous fait une boucle. Vous passez la boucle sous le fil. Vous relevez la boucle, vous mettez à l'intérieur, vous passez les doigts et vous attrapez les deux fils, donc, et vous tirez dessus. C'est un nœud d'alouette, ça. Une fois que vous avez fait ça, avec le fil gauche, vous allez faire une boucle autour du fil support. Donc, je passe derrière, par-dessus, et je récupère le fil en dessous. Et je tire. Avec le fil de droite, on fait la même chose. On fait une boucle, on passe par-dessus. Et on récupère par derrière, en dessous. Et on récupère le fil au milieu de la boucle. On tire. Voilà, vous avez fait votre premier nœud d'alouette complet. Et on va faire ça donc 21 fois. Donc je vais vous le montrer pour les 5 premiers fils. Et après, j'arrêterai la caméra et je reprendrai quand les 21 seront dessus. Donc je prends le deuxième fil. Je cherche le milieu, je le plie en deux, ça fait une boucle. Je passe en dessous du fil, on est d'accord. Je récupère au milieu les deux fils qui sont du même de la boucle. Je sépare en deux, avec le fil de gauche, je passe à gauche derrière et je récupère en son centre. Je tire. Même chose avec le fil de droite, je passe en dessous. Et je récupère les deux. Hop. Donc je les pousse un petit peu à gauche, de façon à ce qu'ils ne me gênent pas pour faire les autres fils. Donc on a fait ça pour 21 fois. Donc je vous en montre un troisième. Même travail. Hein. J'explique plus, vous avez vu. Et
Vérifiez bien que les fils soient à leur position, à leur bonne place, qu'ils ne se croisent pas, en fait, à l'origine, parce que sinon, après, ça vous fera des nœuds, des boursouflures. Ça n'empêchera pas le travail, mais ça fera des boursouflures, ce ne sera pas joli. Et le 3. J'en fais un dernier, et après, j'arrêterai la vidéo et je reprendrai quand j'aurai mis les 21. Donc, la boucle. On passe en dessous. Et voilà. Donc on continue comme ça pour les 21 fils. Me revoilà avec les 21 fils. Donc maintenant le but, ça va être de les entourer, d'entourer ce fil-là autour de ce cabochon. Alors il faut que vous sachiez une chose, c'est que c'est pas toujours facile, parce que comme vous pouvez le constater, le cabochon, il a une rainure qui est irrégulière puisque c'est fait artisanalement. Et parfois la rainure est très peu profonde et là elle n'est pas très épaisse. Et donc, quand on veut mettre tous ces fils à l'intérieur, des fois, ça ne loge pas. Donc, le cabochon peut sauter. Ça m'est déjà arrivé. C'est un petit peu plus difficile. Donc, au début, si vous n'arrivez pas à faire le double nœud qu'on va faire tout à l'heure, il faut le poser à plat et puis essayer de faire le nœud à plat en fixant avec des mini-aiguilles tout autour votre fil de façon à ce qu'il soit maintenu. Et à la fin, quand le bracelet sera fini, moi, c'est ce que j'ai fait pour une amie, j'ai mis de la colle, en fait, au dos. De la colle au dos du cabochon, de façon à ce qu'il soit tout collé et qu'il soit bien pris dans les fils et qu'on ne risque pas de le perdre. En fait, si vous voyez, hein, je peux le bouger, je peux tirer dessus, il n'y a pas de souci, il s'en va pas. Et la colle, c'est invisible, hein, c'est de la azulite, c'est pour ça qu'elle est dans le panier, en fait, c'est pour consolider le cabochon sur le bracelet, qu'il ne s'en aille pas du bracelet, parce que ça arrive. Hein. Ça m'arrive, par exemple, avec un autre bracelet que j'ai fait et pour lequel je n'ai pas encore collé le cabochon. Celui-ci, par exemple, vous voyez, ça peut s'en aller. Donc, c'est pas collé, ça n'empêche pas de faire le bracelet, c'est un... voilà. Mais je pensais à le coller à la fin, je vous montrerai comment on fait, hein, pour ne pas perdre votre cabochon quand vous mettrez votre bracelet. Voilà. Donc, on arrive à la partie un petit peu délicate. On a défait les aiguilles, on tire de façon à défaire les petits nœuds qu'il y avait sur les côtés. Il faut que vous arriviez maintenant à trouver le milieu du fil, de façon à répartir les fils qui vont permettre de faire le macramé. De façon, qu'il y ait le même nombre de chaque côté. Donc là, on est d'accord qu'il y a 21 fils. Donc là, les 21 fils, si vous voyez, ils ne sont pas tous du même côté. Le milieu étant là, il faut que vous arriviez à mettre à peu près 10 ici et 11 ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vois où est le milieu. Donc j'en compte 10 déjà. 3, je les pousse un petit peu. 6, 7... 8, 9 et 10. J'en mets 10 d'un côté et je vais mettre les 11 autres de l'autre. Donc entre les deux, donc vous cherchez toujours le milieu de votre fil de façon à ce qu'il soit bien au milieu du travail et que vous ne vous trouviez pas avec un fil très court et un fil plus long. Donc je ne suis pas encore au milieu, hein, si on regarde bien. Donc je tire encore un petit peu de façon à les placer vraiment au milieu. Est-ce que là c'est bon? Alors... c'est mieux. Donc du coup, maintenant, il faut que je les rapproche tous du milieu, y compris ceux du bas. Et je vais laisser juste un tout petit espace entre les deux que je mettrai au milieu du cabochon sur les côtés. Vous verrez. Donc là, je les tire pour qu'ils se collent les uns aux autres. Hein. Donc c'est bien de le faire par petits paquets parce que c'est pas toujours évident. Donc voilà, là maintenant, ils sont à peu près au milieu du cabochon. Du fil, je veux dire. Je vais encore tirer un petit peu. Hop. Hop. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en haut. Voilà. Et maintenant, je vais les placer. Je mets le travail comme ça. Il va falloir mettre le cabochon dedans. Le petit espace qu'on a fait, le mettre sur un côté. Un des petits côtés. Et donc faire un nœud tout simple. Vous passez le fil de droite par-dessus le fil gauche et vous enroulez l'autre autour. Vous faites comme on fait un nœud, hein, sur une corde. Et là, vous essayez de le mettre bien dans la rainure en vérifiant que le côté où vous avez 10
10 fils, ben c'est là où vous allez faire le nœud, en fait. Donc, je vous rappelle, hein, il faut tirer très fort, mais ça peut arriver que ça sorte du cabochon, ça rend le travail un petit peu plus difficile au début. C'est vraiment la seule étape qui est difficile dans la... Voilà, c'est ce qui vient d'arriver. En tirant, j'ai fait sauter le cabochon. Donc, on recommence. Il faut juste être patient, il ne faut pas s'énerver. Et puis... on essaie de le remettre et on essaie de refixer en faisant attention de pas trop... Il faut bien serrer, mais pas trop non plus, de façon à pas perdre le cabochon. Voilà. Alors, c'est vraiment le souci qui passe après. Hein. Il suffit, quand on a fini, il vous suffira simplement de coller le tout à la fin. Donc là, c'est ce que j'expliquais. Si jamais vous voyez que ça part encore, ben vous pouvez juste mettre une petite épingle ici, au bout, pour maintenir le cabochon, donc le fil autour du cabochon, et vous serrez, donc, et vous faites un double nœud, parce que sinon après ça ira pas, ça va partir. Donc il faut faire un double nœud, vous faites le nœud par-dessus, comme tout à l'heure, vous passez le fil droit par-dessus le fil gauche et vous serrez. Et là il faut pas hésiter à serrer très fort, c'est du fil qui est très solide, toujours faire attention que le cabochon ne s'en aille pas, et donc là normalement c'est bon. On doit avoir les 10 fils de chaque côté. Les 11, pardon, de chaque côté. Voilà. Et vous les séparez et vous les mettez donc une partie en haut, une partie en bas. Donc là, on va principalement travailler sur la partie du bas. On va faire les vidéos pour la partie du bas. Et en fait, quand vous voudrez faire la partie du haut, eh ben, il faudra simplement reprendre à l'étape numéro 3, puisque là on va faire l'étape 2. Voilà pour la partie 1. C'est fini pour l'étape 1. Ah, vous avez vu, c'est parti. Hein. C'est pas grave, vous le remettez comme ça. Et on va le fixer donc sur le tapis. C'est pas grave, ça va le faire. Hein. Vous essayez de resserrer un petit peu si vous voulez. Là vous avez fait le nœud. On peut essayer de resserrer tout doucement. Mais au moins comme ça vous voyez qu'il peut y avoir des soucis et que c'est réglable. Donc j'essaie de resserrer un petit peu maintenant que j'ai remis les fils comme je voulais. Voilà. Donc à partir de maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc c'est parti pour l'étape 2. Tout d'abord, vous fixez votre cabochon avec l'aide de petites épingles, pas des grosses, hein, pas des grosses à macramé. Le but étant simplement de maintenir le macramé autour du cabochon. Donc moi je prends des petites et je les fixe derrière. Voilà, j'en mets 3, une au milieu aussi, de façon à ce que le cabochon ne bouge pas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir besoin de deux fils supplémentaires, puisqu'on va faire le tour. Donc vous pliez votre fil en deux. Au milieu, une fois que vous avez le milieu, vous faites un nœud coulant que vous allez fixer sur la planche de macramé. Donc voilà. On prend une petite aiguille, c'est pas la peine de prendre une grosse. On la fixe, la boucle, à gauche des premiers rangs que on va, des premiers fils qui pendent dans la partie basse du cabochon. On est d'accord qu'on a divisé, on en a mis 11 fils doubles en haut et 11 fils doubles en bas, ça fait 22 fils de chaque côté. Et donc ce qu'on va faire en fait, c'est le premier rang de macramé qui se trouve ici. De façon à consolider en fait, on va consolider le travail. Le premier c'est le sertissage, le deuxième rang c'est celui qu'on va faire. Donc pour ça, vous avez fixé avec un nœud coulant, donc votre fil supplémentaire, vous l'avez fixé. Vous allez prendre chacun des fils qui sortent du cabochon, de principe, essayez de les prendre bien au fur et à mesure qu'ils ne se chevauchent pas quand vous allez faire vos nœuds, et on va les enrouler les uns après les autres autour de ce fil qui passe donc au-dessus. Donc je prends le premier qui sort du cabochon, celui avec lequel j'ai fait les nœuds tout à l'heure, je le passe au-dessus, et je fais une boucle et je passe dedans. Donc je récupère et je tire. Et je fais ça deux fois avec chaque fil, de façon à faire... En fait, quand on fait deux nœuds, ça fait juste un seul nœud, un point. Je recommence, je fais la boucle autour, au-dessus, je passe derrière, en dessous. En fait, j'entoure le fil autour. Et je serre. C'est pas la peine de trop serrer. Moi, je serre jamais trop parce que le jour où il faut défaire, après c'est compliqué et ça abîme le fil. Donc toujours d'accord, hein, le fil que je tiens dans ma main droite est toujours au-dessus des autres. Et je fais une boucle autour, puis je passe en dessous et je récupère le fil dedans, dans la boucle. Et je serre un peu. Je fais ça deux fois avec le même fil,
Je recommence et je serre. Donc là, je l'ai fait deux fois. Celui qui est là, c'est le fil que j'ai rajouté. Le premier, celui-ci-là, fil que j'ai rajouté, les deux premiers que j'ai fait. On continue, on prend les fils au fur et à mesure qu'ils arrivent sans se tromper, pas prendre celui d'après. Donc, mon fil guide est toujours dans ma main droite et je fais les nœuds avec l'autre autour. Je passe donc au-dessus, par derrière et dans la boucle, je récupère le nœud. Je recommence. Et je fais ça donc sur les 22 fils donc qui sont présents. Donc je vais aller plus vite, je vous ai montré comment on fait, c'est à chaque fois la même chose. Hein. Ce que j'ai fait sur les deux premiers fils, c'est la même chose sur tous les fils que vous avez en dessous. Voilà. On continue. Mettez-les bien après sur le côté. Donc moi, ce que je fais ensuite, je tourne souvent le plateau pour pas être gênée dans mon tissage. C'est plus facile que de décrocher le cabochon, de l'abîmer en faisant des trous pour le fixer. Moi, je préfère tourner le plateau de façon à que ce soit toujours facile de faire les nœuds. Voilà. J'ai le cabochon qui sort du macramé, hein. C'est pas grave, ça peut arriver, je vous dis, on le collera à la fin, c'est pas grave. Moi c'est ce que j'ai fait, la rainure étant trop fine, le cabochon tient pas bien dedans, mais ça n'empêche pas de faire le bracelet, vous avez vu, en fixant sur le côté. J'arrive bientôt au bout. Il n'en reste plus que trois fils. On fait ça sur la moitié, on est d'accord. Hein, que ceux du bas pour l'instant. Et on va faire la même chose avec ceux du haut. Voilà, donc là maintenant on peut défaire les épingles.
là où on a mis le petit nœud, on tire sur le fil de façon à défaire le nœud. Voilà, il n'y a plus de nœud. Et on a bien fait la moitié. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On retourne le plan de travail. On met le travail, le côté qu'on va travailler devant nous. Et on fixe donc le cabochon de façon à pouvoir faire la même chose, le même travail de ce côté-là, ici. Donc, je fixe pour pas être gêné et que ça ne bouge pas dans tous les sens, tout en sachant que, vous avez vu, hein, le cabochon peut sortir du bracelet, c'est pas un problème, on le remettra à la fin, on le collera. Donc, comme tout à l'heure, je rajoute un fil ici pour pouvoir faire la même chose. Je plie en deux. Je fais un petit nœud pour pouvoir fixer. Essayez vraiment de le faire au milieu de façon à avoir des fils identiques de chaque côté. Je le fixe à gauche des nœuds que je vais faire. Voilà. Et je retravaille donc en prenant chaque fil les uns à la suite des autres, en faisant bien attention de prendre les fils vraiment comme ils se présentent, pas les inverser. Donc on continue. Le fil guide, je le tiens de ma main droite et je fais les nœuds en passant par-dessus et par derrière et dans la boucle, comme tout à l'heure. Hein. On fait ça une fois de plus, on le fait 22 fois puisqu'il y a 22 fils qui sont accrochés les uns à la suite des autres. Pardon. Toujours deux nœuds avec chaque fil. Toujours serré à peu près de la même façon, sans tirer comme une malade ou comme un malade. Je tire, j'ai de la force dans les doigts, mais je serre le travail en essayant d'être le plus régulier possible. Mais serrez pas trop, je vous dis, si vous devez les faire, ce qui m'arrive régulièrement, hein, c'est pas facile de défaire les nœuds, même avec une aiguille, quand ils sont trop serrés. Voilà, je vais tourner un petit peu mon plateau de façon à me faciliter le travail. Je vais accrocher donc le sertissage là que j'ai commencé de façon à ce que ça bouge pas trop quand je fais mes nœuds. Je tourne à nouveau pour être moins gênée. En fait, ça me permet de ne pas déformer les points. Bien faire toujours la même chose. Donc, on arrive au bout.
je tourne encore les deux derniers fils. Voilà. Voilà, donc là on a fait le tour. Donc je redresse le plateau et je vais vous montrer ce qu'on fait pour les finitions sur les côtés. Donc je décroche le cabochon en faisant attention. Et on va venir mettre de chaque côté. Donc là il y avait un petit nœud, vous vous souvenez? Ah bah vous avez vu, le cabochon est encore reparti, c'est pas grave. Hein. Donc on le remet. Hop. On va le coller rapidement quand on aura fini le bracelet. Ici, on va mettre une perle de chaque côté. Donc là où on a fait les petits nœuds pour rajouter les fils, on va simplement mettre une perle. Voilà, une petite perle ronde de 2,5 mm. Donc je vous montre. Là, vous prenez donc les deux fils qui sont au milieu de chaque côté du cabochon, sur les côtés, les petits côtés. Et on va fixer une perle en croisant les deux fils. Ces deux fils-là, on va les croiser dans la perle. Pour y arriver, moi j'ai une technique qui doit être, je dois pas être la seule à l'utiliser. Je coupe les deux fils que je dois mettre dans laquelle je dois mettre une petite perle ronde. Je les coupe en biseaux. Alors, je vous montre ça tout de suite. Moi, je les coupe comme ça, de façon à ce que ce soit plus facile, que ça fasse comme une petite pointe pour rentrer dans la perle. Donc, on est d'accord qu'on a les deux fils, on va les croiser dans une petite perle, donc de chez Perle & Co. 2,5 mm, elles font. Le premier fil passe tout seul, le deuxième est un petit peu plus difficile, donc j'écrase la perle sur mon doigt et je tire bien sur le fil pour l'aplatir, de façon à faire de l'espace pour passer le deuxième fil. Donc on est d'accord qu'on les croise. Donc il faut insister des fois, c'est pas toujours facile. Là vous avez vu, ça veut pas rentrer. Donc parfois, ça ne veut décidément pas rentrer, je change carrément de perle. Sinon j'essaie d'aplatir le fil, et voilà, vous avez vu, ça passe. Donc après, on tire sur les deux fils et on les serre bien sur les côtés. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend les deux, alors là le cabochon tourne un peu. On prend les deux fils qui sont aux extrémités là. C'est les fils qu'on a rajoutés. Voilà, on prend ces deux fils là. On les biseaute. Voilà, il y en a un qui est beaucoup plus court que l'autre. Et ça va le faire. Donc on le coupe en biseau. Je vous montre encore une fois. Hop. Hop. Et on fait passer la file dedans. Alors je les écrase bien de façon à ce qu'il n'y ait pas de petits fils qui m'empêchent de passer deux fois dans la perle en fait. Et on les croise, on est d'accord? On croise les deux fils dans la perle. Donc un de droite à gauche et l'autre de gauche à droite. Voilà, c'est rentré. Et on tire. Et on serre. Et bien voilà, vous avez fait la fin de la première étape. Donc pour l'étape, en fait, c'était pas la fin de l'étape 1, c'était la fin de l'étape 2 que vous venez de faire. Donc on a fait un rang de macramé complet. Et maintenant, on va vraiment commencer le travail du macramé sur une partie du bracelet. On va faire que cette partie-là. Pardon, que cette partie-là. Et une fois que vous devrez faire l'autre côté, vous recommencerez à l'étape numéro 3. Donc on en est bien à l'étape numéro 3. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est le sertissage qui part de la perle, là, ronde, qui fait tout le tour, c'est la troisième rangée de macramé que l'on va faire. Pour ça, donc, vous devez séparer donc le travail du côté, l'endroit où on va travailler, donc c'est toute cette partie-là en bas. Vous le séparez en deux, donc normalement ça vous fait 12 fils de chaque côté. Vous fixez le haut pour pas être gêné, pour pas que ça bouge du tout. Donc moi je pique entre les rangs de macramé pour pas abîmer le macramé. C'est entre les deux rangs là. Voilà. Et on va diviser donc en deux de façon à travailler d'un côté comme ça, puis de ce côté-là. Donc on prend le fil qui sort de la perle que l'on vient de fixer, voilà, celui-ci. Il sort bien de la perle, c'est le premier du côté gauche. Et on va fixer donc tous les autres, les 11 fils suivants, on s'arrêtera à 11, on s'arrêtera au milieu. On va les fixer comme on a fait autour d'avant, c'est-à-dire qu'on fait passer le fil que l'on va tenir dans la main droite tout le temps, et on va entourer les autres comme tout à l'heure, donc en passant on fait une boucle,
On passe au-dessus du fil que je tiens de ma main droite et je passe derrière et je récupère le fil. Et on fait deux nœuds avec chacun des fils, comme tout à l'heure. Donc, voilà pour le premier fil. Même chose, vous ne serrez pas trop fort, mais vous serrez un petit peu quand même. Essayez d'être régulier dans le serrage. C'est un truc qu'on acquiert après au fur et à mesure avec l'entraînement. Au début, c'est pas régulier, c'est normal. Donc, je vais un peu plus vite que tout à l'heure parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours le même point qu'on fait. L'avantage de refaire ce troisième rang, c'est que ça serre le sertissage bien plus autour du cabochon. Il tient mieux en place. Et puis c'est plus joli, à mon goût. Donc dès que vous êtes embêté, hein, vous pouvez tourner le plateau pour pouvoir être à l'aise quand vous faites vos nœuds. Même chose, vérifiez bien que vous ne vous trompez pas de fil, que vous prenez bien les uns à la suite des autres sans les faire se chevaucher. Et on s'arrête bien à 11 fils, au milieu du travail. Là. Donc ça c'est les 11 premiers. On va faire pareil, donc on laisse le fil qu'on a pris ici, qui a fait tout le tour, on va le mettre sur le côté. Et on fait la même chose, donc à droite, en faisant attention de ne pas se mélanger après. On prend le fil qui sort de la boule à droite, et on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc je vais tenir le fil de la main gauche, et je vais enrouler les autres tout autour, comme on a fait. Donc je passe bien au-dessus, avec le fil de droite, je passe au-dessus du fil de gauche, et je récupère le fil à l'intérieur de la boucle. Et je fais ça 22 fois. 11 fois, pardon. C'est les 11 fils qui suivent. Alors vous verrez que les points qui sont d'un côté et de l'autre ne sont pas, on a l'impression que c'est pas pareil, que c'est pas aussi régulier. Moi j'ai toujours l'impression que mes points à droite sont pas aussi réguliers alors que je suis droitière, donc je peux pas vous dire pourquoi. Mais voilà, ça peut arriver. Donc on fait ça. Jusqu'au milieu, jusqu'au 11e fil. Alors vous remarquez qu'à chaque fois je rappuie sur le motif, hein, c'est pour le remettre bien à plat. Allez, plus que 3 fils. Voilà, donc là j'ai fait les 11 fils. On se retrouve au milieu avec un espace. Et donc moi je vais nouer les deux fils ensemble. Donc ce sera le même point. Je vais passer le fil droit par-dessus le fil gauche. Donc il est bien par-dessus. Et le fil gauche d'origine va me permettre de tourner autour comme on fait depuis tout à l'heure. Et je fais deux fois le point. Là. Et je peux serrer. Voilà, ça c'est la fin de l'étape 3. Donc là, on va commencer l'étape 4. Donc l'étape 4, par rapport au bracelet d'origine, ce que l'on va faire, c'est le motif central. On va faire le petit ovale là, et le petit cœur qui est autour. Donc c'est ce qu'on va travailler là maintenant.
Donc on ne travaille que sur les quatre fils du milieu pour l'instant. On comprend bien les quatre du milieu. Les autres, vous pouvez les remonter sur les côtés pour pas qu'ils vous gênent. Voilà. Et on va faire donc avec les deux fils de gauche. Vous prenez le fil de droite et vous le passez par-dessus. Et là, vous faites deux nœuds. Donc, on fait la boucle, on passe par-dessus, on est d'accord, hein? Et je récupère le fil derrière, dedans. Un, on en fait deux. Deux. Ensuite, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va tourner le fil avec lequel je fais les nœuds, je le passe en dessous de celui que je tiens de ma main gauche. Je change de main et je vais l'entourer autour du fil donc, que je tiens maintenant dans ma main droite. Je l'entoure autour, je fais deux nœuds. Donc, un. Et deux. Alors, si ça se relève trop, votre travail, vous pouvez rajouter une petite épingle pour le maintenir. Pas que ça sorte du cabochon. Hop. Je fais pareil à droite, sauf que je le fais dans le sens inverse, puisque je vais aller vers le côté droit. Donc, je passe le premier fil au-dessus de celui qui est à droite. Je le tiens dans ma main droite. Et je fais avec celui qui est à droite, celui qui est à l'origine à droite sur le cabochon et qui passe en dessous, je l'entoure autour de celui que je tiens dans ma main droite. Deux fois. Un. Deux. Comme tout à l'heure, je vais passer le fil qui fait les nœuds dessous. Je change de main pour tenir le fil sur lequel on fait les nœuds et je l'entoure autour. Deux fois aussi. Un. Et deux. On essaie de ne pas faire chevaucher les nœuds, sinon ça fait des boules. Je prends les deux du milieu, je vais les croiser. Donc je passe le fil de droite au-dessus du fil de gauche. Je le maintiens dans ma main gauche et j'entoure avec le fil de gauche deux fois. Un. Et deux. Je descends les quatre fils. Donc là, ce que vous venez de faire, c'est juste le petit bout du milieu. Maintenant, on va faire le petit cœur. Donc on prend les deux fils à gauche du motif central. On prend que deux fils. Donc on les sépare. Et on va faire donc 6 nœuds inversés. À chaque fois, on va changer le sens du nœud sur ces deux fils-là. C'est les mêmes nœuds que ça, mais à chaque fois, on en fait un et on le change de sens. Je vous montre. Vous passez le fil gauche droit sur le fil gauche. Et on va faire les nœuds sur ce fil-là. Ce fil-là, là. Donc, on fait les nœuds avec l'autre, celui qui se trouve à gauche. Donc, on fait un premier nœud. Je passe le fil avec lequel je fais les nœuds sous l'autre. Et je fais un deuxième nœud, du coup, dans l'autre sens. Je le repasse en dessous et je fais un nœud, un troisième nœud. Voilà. Je le repasse en dessous et je refais un nœud. On en est au quatrième, il faut les compter. Hein. Un cinquième, en passant en dessous à chaque fois. Et un sixième. Alors, je ne sais pas comment s'appelle ce nœud en réalité. Moi, dans ma vidéo, je vais appeler ça des nœuds inversés. D'accord? À chaque fois, je change de sens, donc j'appelle ça un nœud inversé. Pour faire la petite boucle du cœur, je tire à droite sur le fil qui tient les nœuds, tout doucement, et je pousse un peu vers le haut. Ensuite, je vais rattacher donc, ce petit cœur au motif central. Donc, même chose. Le fil sur lequel je fais les nœuds passe au-dessus, et j'entoure les deux du motif central autour deux fois. Et je serre en rapprochant le maximum du côté du motif central. Voilà, un, et je le fais avec le deuxième. Toujours au tourne-retour. Hein. Deux, voilà. On va faire pareil maintenant
du côté droit, on prend les deux fils suivants et on va faire six nœuds inversés. Donc, comme on les fait dans l'autre sens, on va faire passer le fil gauche par-dessus le fil droit et on va entourer les nœuds autour de ce fil gauche. Donc, le premier, comme on fait tout à l'heure, donc je tire, ça fait 1, je passe le fil qui fait les nœuds dessous et je fais les nœuds, le deuxième, autour de celui que je maintiens toujours avec mes doigts. 2, je repasse en dessous. 1, j'ai raté mon coup. Hop. Troisième nœud. Je le passe en dessous. Je l'entoure autour de l'autre. Quatrième nœud. Je repasse en dessous. Cinquième nœud. Je repasse en dessous. C'est le sixième. Le rempart, souvent, le fil se trouve à l'extérieur, hein, celui qui fait les nœuds. Et donc, j'essaie d'arrondir un tout petit peu avec mes doigts, mais c'est pas grave si vous le faites pas. Je passe donc, je vais faire finir mes nœuds sur ce fil-là, et donc avec les deux qui sont sur le motif central. Je les entoure autour, en serrant au maximum près du motif central. Donc, 1, 2, 3, 4, voilà. Il nous reste les deux fils du centre qui ne sont pas fixés. Donc on va les accrocher ensemble, on va faire un nœud au milieu, comme tout à l'heure on avait fait ici. On passe le fil de droite par-dessus le fil de gauche. Et je fais enrouler le fil de gauche deux fois autour de ce fil. 1 et 2. Et on vient donc de finir l'étape 4, vous avez fait le petit cœur. On passe à l'étape 5. Donc pour l'étape 5, ce qu'on va faire, c'est rajouter un fil de façon à pouvoir faire cette petite boucle, ajouter une perle et la fixer sur les motifs du centre. Donc c'est ici qu'on va rajouter un fil. On va pouvoir faire la boucle avec, mettre une petite perle et on fixera sur les motifs du centre. On fait ça de chaque côté. Pour ajouter un fil, on a besoin donc d'une... Donc on prend le fil supplémentaire. On le plie en deux, comme tout à l'heure, on a fait, de façon à trouver le milieu. Au milieu, vous faites une petite boucle, un nœud coulant toujours. Et on va fixer ce nouveau fil, on va le fixer entre le motif qu'on vient de faire et les deux fils suivants. Voilà, on serre. Et on va faire donc avec les deux fils qui suivent, ça nous fera une boucle avec quatre fils, c'est là on peut remonter les autres. On ne prend que les deux fils qui suivent et on va les fixer sur ce fil qu'on vient d'ajouter. Donc pour les fixer, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose que l'on fait. On prend le fil dans la main qui nous permet de le tenir et sur lequel on va entourer les nœuds. Donc on prend le fil immédiatement après le cœur qu'on a fait, on tourne autour et on le fait deux fois. 2, on le fait pareil avec le fil suivant, on a dit deux fils, hein. Donc ça fera 4 nœuds au total, 1, 2, donc là vous avez rajouté votre fil, maintenant on va faire la boucle, donc on va faire 3 nœuds inversés, pardon. Donc on change celui qui fait les nœuds passe dessous, et mon premier donc nœud sera en passant autour. Donc 1, je repasse en dessous pour inverser. 2, je repasse en dessous. Et 2, 3. Voilà le début de la boucle. Je le laisse de côté. Là où j'ai fait le nœud avec la petite épingle que j'ai rajoutée pour tenir le nœud coulant, je l'enlève, j'enlève le nœud, tire en dessus simplement. Je passe le fil, je le passe au-dessus et je vais continuer à faire des nœuds dessus, en fait, avec le fil qui est en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est le fil que j'ai rajouté. Et il y a un nœud en dessous, donc un fil en dessous, pardon. Celui-ci, je le passe en dessous et je fais deux nœuds dessus.
Donc, 1, 2. Donc voilà, on a fait les nœuds. Je reprends celui sur lequel j'ai fait les premiers nœuds. Je le passe en dessous. Non, pardon. Je le passe au-dessus. Et je vais poursuivre les nœuds sur ce fil avec celui que je viens de rajouter. Donc on fait deux nœuds autour avec le fil. 1 et 2. Voilà. Il y a un autre fil qui dépasse hein, de la boucle, donc je le passe en dessous et je fais deux nœuds toujours sur le fil que je tiens dans la droite. 1, 2. Voilà. Là, je vais rajouter une perle ronde dorée, donc qui fait 4 mm. Je coupe toujours en biseau pour que ce soit plus facile. Je mets la perle. Et ensuite, je vais fixer donc ce fil sur les quatre du motif central. Donc vous les prenez bien dans le bon sens. Même chose, vous le tenez de la main droite et vous entourez les fils autour, comme ça. Hein, on est d'accord? Je les entoure autour. Et je fais ça deux nœuds à chaque fois, comme pour tous les nœuds. Donc je prends le suivant en vérifiant bien qu'il ne soit pas mélangé. 1, 2, 1, 2. Et voilà. Donc on va faire le même travail maintenant sur le côté droit. Que ce soit joli. Donc on rajoute un fil, même chose, entre le cœur, le bout du cœur là, et les deux fils qui suivent. On ne prend que les deux fils qui suivent. Donc on sépare les autres. Je les remonte, moi, pour pas qu'ils me gênent et pas les mélanger. On coupe le, on plie le fil en deux. On trouve son milieu. On fait un petit nœud, comme tout à l'heure. Voilà, on fixe ce nœud entre le cœur et les deux fils d'après. On serre. On vient entourer les deux fils suivants par deux autour. Donc, on prend le fil, on le passe au-dessus et on fait les nœuds autour. Si vous êtes plus à l'aise, vous tournez un petit peu le plateau. Moi, c'est mon cas, hein, je tourne. 1, 2, là, c'est bien de tirer un peu pour que ça colle au motif. Pareil avec l'autre. 1, 2. Ensuite, je commence ma boucle en faisant 3 nœuds inversés. Vous vous souvenez, donc celui qui fait les nœuds, je le passe en dessous. Et je fais 1, je repasse en dessous. 2, et mon troisième nœud. 3. Ensuite, je reprends les deux premiers de la boucle. J'enlève l'épingle et je décroche le nœud. Enfin, je défais le nœud qu'on avait fait, le nœud coulant, en tirant dessus simplement, en maintenant le motif. Voilà. Donc, je prends le fil qui va faire les nœuds, je le repasse à gauche et je fais deux nœuds. Je le repasse à gauche par-dessous, on est d'accord. Là, je fais deux nœuds du même côté. 1. 2, et je vais finir donc les nœuds sur ce fil là, donc je fais passer au dessus puisque c'est dessus que je vais, hein, c'est sur celui-ci que je vais entourer, et je fais deux nœuds avec, 1, 2, je prends celui qui était près de la boucle, je le passe en dessous et je l'entoure deux fois autour de ce même fil qui faisait les, sur lequel j'ai fait les nœuds. 1, 2, je les laisse sur le côté. Sur le nœud sur lequel j'ai fait les... Le fil sur lequel j'ai fait les nœuds, je le reprends, je le biseaute un petit peu et je mets une perle de 2.
Et je viens fixer donc ce fil sur les quatre du motif central. Donc même chose, je les prends dans l'ordre et je les passe au-dessus et j'entoure autour. Donc là, exceptionnellement, je vais pas nouer les fils au centre et on va faire des petites boucles de chaque côté. Donc en fait, on va faire les petites boucles qui sont ici. Voilà, les deux petites boucles là. Donc je prends les quatre fils au centre à gauche. Je remonte les autres pour pas être dérangée. Et pour faire les petites boucles, c'est toujours le même principe, on en fera plein dans ce petit bracelet. Donc là, je fixe pour pas que ça bouge trop. Je prends les deux fils à droite. En fait, c'est la même boucle que ça. Je passe celui qui va me servir à faire les nœuds en dessous. Je fais deux nœuds. J'enroule autour de l'autre. Donc, un. Et deux. Avec les deux qui sont à droite, je vais faire deux nœuds qui vont vers la gauche. Donc je passe celui de droite, je le passe au-dessus et j'entoure les nœuds, l'autre fil autour, deux fois. Un. Deux. Et ensuite, je vais faire trois nœuds inversés. Donc avec le fil qui fait les nœuds, je le passe en dessous. Je fais un premier nœud en venant tourner autour du fil que je tiens toujours. Donc, 1, je le repasse en dessous, je fais une deuxième boucle. 2, une troisième boucle en le passant en dessous. 3. Ensuite, je viens faire deux nœuds autour avec le fil qui descend, juste en dessous. Donc, je fais deux nœuds. 1, ça ferme ma boucle. 2. Et avec celui qui était accroché à la boucle, je ne sais pas si vous voyez bien, je le sépare de l'autre d'à droite, et bien le dernier qui est accroché à la boucle, je vais faire des nœuds dessus, autour aussi, donc je passe le fil au-dessus, et je fais deux nœuds avec celui qui descend de la boucle. Donc, 1, 2. Et donc là, on a fait une première boucle, exactement la même que celle-ci, mais on l'a fait à cet endroit-là. Je laisse le fil en bas et on fait la même chose avec les quatre fils qui se trouvent à droite. Donc on n'en prend bien que quatre. Hop, on remonte les autres. Donc même principe, on commence par les deux nœuds qui se trouvent à l'intérieur du motif central. Donc celui qui fait les nœuds, je le passe en dessous. Et je fais deux nœuds autour du premier fil, là. Donc, 1, 2. Je le laisse de côté. Je prends les deux fils qui sont à droite. Je passe celui qui se trouve à gauche au-dessus. C'est sur celui-ci qu'on va faire les nœuds. On en fait deux avec le fil qui suit. Donc, 1, 2, et ensuite avec le nœud qui fait le fil qui fait les nœuds, pardon, on passe en dessous et on fait 3 nœuds inversés. Donc, 1, on repasse en dessous. 2, on repasse en dessous. 3,
Après, il me reste à faire les nœuds, toujours sur ce fil qui supporte tous les nœuds, avec l'autre qui descend du motif, là. Donc on fait deux nœuds autour, avec ce fil. Un. Deux. Et de la boucle sort un autre fil, comme tout à l'heure. On le passe en dessous et on fait deux nœuds autour du fil sur lequel on fait tous les nœuds. Un. Deux. Et ensuite, on va nouer les deux fils du centre, comme d'habitude, comme on a déjà fait plusieurs fois. Donc on passe le fil de droite au-dessus du fil de gauche. Et on fait les nœuds avec le fil de gauche sur le fil de droite. Un. Et deux. Et voilà. Donc, on vient de finir l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on vient de finir l'étape 5. Pour l'étape 6, elle sera beaucoup plus rapide. Ce qui nous intéresse dans l'étape 6, c'est de partir de la boule qu'on vient de, de la boule que l'on vient de faire, de mettre. On va mettre sous le fil donc, qui part en dessous trois rocailles. Et on va rattacher ce fil au fil du centre. Donc, on part de ce fil-là, celui qui est sous la perle. On met trois rocailles et on va les fixer ici et on fait la même chose à gauche. Alors je commence toujours à gauche, hein. C'est peut-être remarqué, mais c'est comme ça. Donc on prend le fil qui sort immédiatement de dessous la boule. Je taille en biseau parce que c'est des rocailles 11, donc c'est pas forcément facile à enfiler. Je prépare mes trois petites rocailles. Et je les enfile donc sur ce fil qui sort de dessous la perle qu'on vient d'ajouter. Donc une. Par contre, ça s'enfile assez bien quand même. Si vous avez un petit souci, c'est parce que le fil s'est un peu effiloché. Donc il suffit de rappuyer dessus comme il est ciré, le fil. Normalement, ça recolle un peu les brins et ça permet de passer plus facilement. Vous voyez. Voilà. Deux. Et trois. Donc là, il s'est encore effiloché. Je rappuie dessus et voilà. Donc on les fait aller jusque à la perle qu'on avait ajoutée. Et maintenant, on va fixer ce fil sur le motif central. Donc il passe au-dessus du motif central. Je le tiens toujours dans ma main droite et je vais faire deux nœuds avec chacun des brins qui sont en dessous. Donc comme on a fait jusque maintenant, hein, on passe par-dessus, on fait une boucle, on récupère par-dessous derrière. Et on le fait deux fois. Voilà. Deux fois avec chaque brin, en collant au maximum. Donc là, on peut serrer un peu de façon à ce que le motif colle bien, que les nœuds collent bien au motif du centre. Donc je prends le brin suivant, je fais le tour, un nœud, deux nœuds. On fait la même chose avec le troisième brin, un. Deux, et le quatrième. Un. Et deux. Voilà, pour le côté gauche. Pour le côté droit, on fait la même chose. On prend le fil qui se trouve immédiatement sous la perle qu'on a rajoutée tout à l'heure. On le biseaute pour enfiler les gnocchi. On prend les trois perles gnocchi. On les enfile. 1, 2, 3, on les insère et on les met près de la perle et on fixe les quatre brins qui sont au milieu. Donc on passe le fil sur lequel il va y avoir les nœuds au-dessus et on fait les nœuds avec les quatre brins qui descendent du motif central, ce qui permet de remonter les petites perles gnocchi. Et de les fixer donc au motif. Donc 2, 3. Et voilà, et pour l'instant, on laisse comme ça.
on ne fait pas, on ne croise pas au centre. On les laisse comme ça. Fin de l'étape 6. Pour l'étape 7, ce qui nous intéresse, c'est ce travail-là, on montre. Donc, on va repartir en haut de la perle qu'on vient de fixer, qu'on a fixée tout à l'heure. On va prendre les deux brins qui se trouvent au-dessus, donc de chaque perle qu'on a ajoutée là, et on va faire 10 nœuds inversés, et ensuite on viendra les fixer sur les 5 brins du milieu. On fait pareil des deux côtés, on va descendre jusque là, et là on aura au centre. Donc on y va. On prend donc les deux fils qui se trouvent immédiatement à gauche de la perle qu'on a rajoutée. Les deux fils, pas le 3, que 2. Le troisième, on peut le remonter pour pas qu'il nous gêne. On va faire donc 10 nœuds inversés. Donc pour faire les 10 nœuds inversés, on va mettre celui de droite par-dessus celui de gauche, et c'est lui qui va recevoir tous les nœuds. Donc on entoure une première fois le fil de gauche, on l'entoure autour du fil de droite. Et on fait qu'un nœud à chaque fois. Hein. Alors ça va pas, je suis gênée par la perle. Pardon. Tac, donc on recommence. Je l'entoure autour, une fois. Et j'en fais un deuxième, je le passe en dessous et je refais un deuxième nœud. Donc le fil qui fait les nœuds, je le passe en dessous à chaque fois et je change de sens. Un troisième nœud. Je passe en dessous. Un quatrième nœud. On passe en dessous. Un cinquième. Un sixième, sept, huit, neuf et dix. Donc au rang, dixième rang, le fil est à gauche, le fil qui fait les nœuds. J'essaie de l'arrondir un petit peu avec mes doigts et je viens le fixer sur les cinq fils du centre. Donc même chose, comme c'est sur celui-ci qu'on va faire les nœuds, il passe au-dessus et j'entoure les autres deux fois autour. Et je le fixe au maximum près du motif central. 1, 2, 3. Je prends le suivant. 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, et 2. Et voilà. On fait la même chose avec le côté droit. On prend les deux fils qui suivent. Celui-ci, on peut le remonter. Et on va faire les nœuds donc en commençant toujours par le fil de gauche. Donc je vais le passer au-dessus. C'est sur celui-ci que je vais faire tous les nœuds. Et je commence. Donc j'en retourne avec l'autre. Donc 1, je le passe en dessous et je fais les nœuds. 2, je passe en dessous, 3, je passe en dessous, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai essayé d'arrondir un petit peu, mais ça va se faire tout seul avec en fixant sur les 5 du milieu. Je prends le premier donc et je l'entoure autour de ce même fil. Donc 1. Le suivant.
2. Trois fils. 4 fils. 5 fils. Donc on a bien fixé sur les 5 fils du centre de chaque côté et avec les 2 fils du milieu, je vais les croiser comme tout à l'heure. Donc je prends le fil de droite, je le passe au-dessus du fil de gauche et je fais les nœuds avec le fil de gauche autour du fil de droite. Donc 1 et 2. Et donc là, nous avons fini donc l'étape 7. On va passer à l'étape 8. Donc pour l'étape 8, ce qui nous intéresse, on est arrivé donc sous ce motif, là on est ici. On va faire le petit centre, le petit cœur comme tout à l'heure, les deux boucles et on s'arrêtera au niveau du croisillon des deux boucles. Donc on va faire cette partie-là, en fait, centrale. Donc on commence par prendre les 4 fils du centre pour faire le petit croisillon comme là-haut. On fait donc 2 nœuds avec les fils de gauche, on fait passer le fil du centre, on le fait passer au-dessus de celui de gauche, et on fait 2 nœuds avec le fil de gauche par-dessus. 1 et 2. Ensuite on fait 2 nœuds dans l'autre sens, alors je vais raccrocher ça pour que ça bouge moins et que ça bouge pas. Ensuite je passe le fil qui fait les nœuds en dessous, et je fais 2 autres nœuds autour du fil toujours qui était à droite à l'origine. Donc 1, 2, et je laisse de côté. Je vais faire la même chose à droite, donc je fais passer le fil de gauche sur le fil de droite et j'entoure 2 fois autour avec ce fil. Donc 1, 2, je le repasse en dessous celui qui fait les nœuds et j'entoure 2 fois autour. 1 et 2. Ensuite, je prends les deux du milieu, je les fais se croiser, donc je passe celui de droite au-dessus de celui de gauche et j'entoure celui de gauche autour 2 fois. 1 2. Je mets les fils vers le bas pour qu'ils ne me gênent plus. Je prends les deux suivants, les deux fils suivants, et je vais faire 6 nœuds inversés avec. Donc comme on est du côté gauche, on va commencer en mettant le fil de droite par-dessus celui de gauche, et c'est sur celui-ci qu'on fait les nœuds avec le fil de gauche. Donc je les inverse à chaque fois, vous vous souvenez. Donc 1, je le passe en dessous et je refais une boucle autour de celui que je tiens toujours. 2, je le repasse en dessous et je tourne autour. 3, je repasse en dessous et il fait un nœud autour de l'autre fil. 4, je repasse en dessous. 5, je repasse en dessous. 6, on repasse en dessous. Ah, fallait en faire que 6. Donc là, je vais être obligée de défaire. Je pensais autre chose. Donc pour défaire, moi je prends une aiguille pas trop grosse. Je fais attention de pas trop abîmer le fil. J'essaie d'écarter un petit peu et je tire. Donc on était bien à 6 nœuds et pas 7. Hop. Je vais fixer ce petit bout là sur le motif central en entourant donc les brins qui pendent du motif central. 1. 2. C'est comme tout à l'heure. Hein. Je fais la même chose, le fil est au-dessus, je tourne autour avec les brins qui descendent. 1 et 2. Voilà, on a fait le côté gauche. On va faire pareil à droite. Donc pour faire pareil à droite, on prend les deux fils qui suivent. Si les autres nous gênent, on les pousse. On va faire les nœuds donc en prenant le fil de gauche, on le passe par-dessus le fil de droite. Et on fait les nœuds avec le fil de droite. Donc 1, on passe en dessous, 2, on passe en dessous,
3, on le passe en dessous. 4, on le passe en dessous. 5, on passe en dessous. Et 6, je vais ensuite fixer ce petit, celui sur lequel j'ai fait les nœuds, je le fixe sur les deux brins qui pendent, donc il est au-dessus, et on fait les nœuds en les entourant les brins qui pendent autour, donc 1, 2, et même chose avec l'autre. 1, et 2. Alors, ensuite, on se retrouve avec 4 fils de chaque côté. On va faire les petites boucles comme tout à l'heure. Donc on ne noue pas au centre les deux fils, on ne les croise pas. Et on prend les deux fils du centre à gauche. Voilà, ceux de gauche, hein. Pas les deux fils du centre exactement, mais les deux. Il y a 4 fils de chaque côté, on prend les deux à gauche. On fait passer celui qui fait les nœuds en dessous. Et on fait 2 boucles. Comme tout à l'heure. 1. Et 2. On laisse de côté. On prend les deux qui sont en haut et on fait 2 boucles. Donc avec celui-ci, on va le passer au-dessus et on fait les boucles avec celui-ci. Donc, on en fait 2 comme ça. Ensuite, on va en faire 3 inversés. Donc on passe en dessous. On fait une première boucle autour du fil que je tiens toujours de la main. 1. 2, on passe en dessous. 3. Pour continuer les nœuds sur cette boucle-là qu'on a commencé à faire, je récupère le fil qui descend et je l'entoure autour. Donc, 1. Comme tout à l'heure, ça ferme la boucle. Je récupère le deuxième fil qui est collé à la boucle, là. Je le passe en dessous. Et je l'entoure 2 fois autour du fil sur lequel on vient de faire les nœuds. Donc 1 et 2. Je le mets de côté, j'attends. Je fais pareil de l'autre côté, je prends les deux premiers fils qui sont à l'intérieur du motif. Je passe celui de gauche, de droite, en dessous. Et je fais les nœuds avec, autour de l'autre. Donc 2. 1. 2. Je prends les deux qui sont à droite. Je fais passer celui de gauche par-dessus celui de droite. Et je fais les nœuds avec celui qui était à droite. Donc, 2 d'abord, du même côté. Donc, 1. 2. Et ensuite, 3 inversés. Donc, je passe en dessous. 1. 2, 3, je continue à faire des nœuds autour de ce fil, donc avec les deux qui descendent du motif, avec le fil qui descend, pardon, du début de la boucle. Donc 1, 2, je prends le deuxième fil qui sort de la boucle, donc c'est-à-dire celui-ci là, je le passe en dessous. Et je l'entoure autour du fil qui vient d'accueillir les nœuds. Donc, 1, 2, et je fais un nœud au centre. Avec les deux qui sont au centre, je vais les croiser. Je passe le fil droit sur le fil gauche. Et j'entoure le fil gauche autour 2 fois. 1, et 2. Et donc, on vient de finir l'étape numéro 8. Pour l'étape 9, ce qu'on va faire donc, c'est repartir au-dessus de la boucle, faire 6 nœuds inversés et fixer sur ce fil qui va être ici. On prendra aussi ce fil-là, on mettra 5 gnocchi et on le fixera aussi ici. On va faire des deux côtés. Donc pour ne pas être gêné, j'accroche de l'autre côté. Je prends les deux fils qui se trouvent immédiatement à gauche de la boucle qu'on avait faite. Avec ces fils, je vais faire 6 nœuds inversés. Donc comme on va vers la gauche, je passe le fil de droite au-dessus du fil de gauche et je fais les nœuds avec celui
qui est à gauche, enfin qui était à gauche à l'origine. Et j'en fais 6. Donc 1, 2, 3, à chaque fois le fil qui fait les nœuds passe en dessous, hein, pour changer de sens. 4, 5, 6. Une fois que j'ai fait les six nœuds, je fixe le fil sur lequel j'ai fait les nœuds sur le fil qui sort de la boucle, qui est juste en dessous. Donc je le passe au-dessus, le fil, et j'entoure avec le fil qui sort de la boucle, je fais 2 nœuds. Ça le fixe. Donc 1, 2, et voilà, on a donc 3 fils au niveau de la boucle. Ceux du bas, vous pouvez les baisser, ça vous évitera de vous embêter. Ensuite, je prends le fil qui est juste après ce qu'on vient d'utiliser, donc il en reste plus que 3 en haut. Et sur ce fil, je vais enfiler 5 Myoki. Donc, même chose, je prends le temps de biseauter le fil de façon à ce que ce soit facile d'enfiler les perles. Je prends mes 5 Myoki, je les prépare et on les enfile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, les 5 perles sont à enfiler. Et je vais fixer ce fil sur les deux premiers fils, sur les 3 fils du dessous. Donc on fait passer le fil avec les Myoki au-dessus et on enroule les fils autour. Donc 2 fois 2 nœuds à chaque fil. Et on le colle le maximum près du motif. Donc 1, 2, 3. 4, et le troisième, 5, et 6. On a donc 4 fils maintenant ici. On les laisse de côté, on fait la même chose à droite. Donc on prend les 2 fils qui sont au-dessus de la boucle. On fait donc 6 nœuds inversés. Je passe le fil de gauche par-dessus le fil de droite. C'est celui-ci qui va recevoir tous les nœuds, et donc j'entoure à chaque fois en changeant de sens. Donc, une fois, un nœud, je le passe en dessous et je l'entoure autour de l'autre. 2, je passe en dessous. 3, je passe en dessous. 4, 5 et 6. Donc là, c'est fini. On l'accroche au fil qui sort de la boucle, on le passe donc, le fil qui vient de recevoir les nœuds est au-dessus, et j'entoure l'autre autour. 1, en serrant bien près du motif. 2, hein. Voilà, ça nous fait 3 fils qui sont sur le motif. Je prends le fil suivant, il n'en reste plus que 3 en haut, que je laisse bien en haut. Et sur ce fil, donc, je vais enfiler 5 Myoki. Donc, je biseaute, comme d'habitude. Tac. Je prends 5 Myoki. Voilà, j'en ai pris trop. Et je les enfile. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je fixe ce fil sur les 3 autres. Donc, comme tout à l'heure, je vais entourer les autres fils autour. Donc, 1, 2 nœuds à chaque fois, 2, et je serre. Hop.
Et voilà, on a fini donc l'étape numéro 9. Pour l'étape numéro 10, donc on va repartir des trois boules des permukis qui sont ici. Avec les quatre fils là, on va faire une boucle comme là. On fera des petits nœuds versés et on viendra se fixer ici après. Donc en fait, on est en train de faire la boucle qui est là et on va se fixer jusque là. Donc c'est une étape aussi qui est rapide. Donc comme jusque maintenant, on reprend, donc on fait une boucle. Pour faire la boucle, je vous ai déjà montré plusieurs fois. On prend les deux fils qui sont à droite. On passe celui de gauche en dessous. Et on fait deux nœuds avec ce fil autour de celui qu'on vient de passer au-dessus. Donc deux nœuds. Un. Deux. Ensuite, on prend les deux autres, on passe le fil de droite au-dessus du fil de gauche, on fait deux nœuds, avec le fil de gauche, on l'entoure autour. Donc, un, deux. Ensuite, on passe le fil qui fait les nœuds, on le passe dessous et on fait trois nœuds inversés. Donc, 1, 2, 3. On poursuit la boucle en entourant le fil qui descend ici, qu'on a fait tout à l'heure, qui a des nœuds, on le passe autour, en dessous, et on fait deux nœuds avec, sur le fil qui vient d'avoir trois nœuds versés. 1, 2. Donc on boucle, on ferme la boucle. On prend le fil qui sort de la boucle du haut et on le passe en dessous et on fait deux nœuds avec autour de l'autre. 1, 2. Avec ces deux fils, on fait deux nœuds inversés. Donc celui qui fait les nœuds que je tiens dans ma main gauche, je le passe en dessous et je fais deux nœuds inversés. Enfin, un d'abord et un deuxième en le passant par en dessous toujours. Et une fois que j'ai fait ça, je prends le fil sur lequel je viens de faire tous les nœuds et je le fixe sur les trois suivants du motif central. Donc il est au-dessus et on entoure les fils autour en faisant à chaque fois deux tours. Un, deux, on fait la même chose avec l'autre. Un, deux, et le troisième. 1 et 2, et voilà, on a fait et la boucle et on a fixé sur le motif du centre. On fait pareil de l'autre côté, donc on fait une boucle avec les quatre fils qui sont en bas du motif précédent. Donc, même principe pour les boucles à droite, je prends les deux fils du bas, je fais passer celui qui avait fait les nœuds en dessous, je l'entoure deux fois autour de l'autre, donc 1, 2, je prends les deux qui sont à droite, je fais passer celui de gauche au-dessus de celui de droite et je fais les nœuds avec celui qui était à droite, donc deux nœuds d'abord, 1, 2, suivi de trois nœuds inversés, donc je le passe en dessous et je l'entoure autour de l'autre fil. Un, je le repasse en dessous. Deux, et le troisième. Pardon, trois. Je poursuis ma boucle avec le fil qui vient d'avoir les nœuds. Je le passe au-dessus de celui qui descend du début de la boucle. Et je fais deux nœuds avec ce fil qui descend. Un, deux. Je récupère le deuxième fil qui était à la boucle, je le passe en dessous et je fais deux nœuds avec autour du fil qui reçoit tous les nœuds. Voilà la fin de la boucle. Et ensuite, je fais deux nœuds inversés. Donc toujours le fil qui fait les nœuds, je le passe en dessous. Et je fais deux nœuds inversés. Donc ça, c'est le premier. Un. Et deux,
Et ensuite, je vais accrocher donc ce fil sur les trois brins qui suivent. Donc, il passe au-dessus et on entoure les brins autour deux fois pour chaque brin. 1, 2, le deuxième fil, 1, 2, et le troisième, 1, et 2. Et donc là, vous venez de terminer l'étape numéro 10. Pour donc l'étape numéro 11, on va en fait repartir du bas du motif qu'on vient de faire, c'est-à-dire ici. On est arrivé ici, là, ici. Donc on fait la boucle. Ensuite, une fois qu'on a fait la boucle, on va enfiler une ronde de Miyuki et on va rattacher au centre. On fait ça de chaque côté. Donc on part du dernier motif qu'on vient de faire. Voilà, on va séparer les fils, on ne garde que les quatre du bas. Voilà les quatre. On peut remonter les autres qui vont nous gêner plus qu'autre chose. On fait la même chose là, on garde que les quatre du bas. Donc on en remonte trois. On fait une boucle, tout d'abord avec ces quatre fils. Ceux du bas, on les laisse comme ça. La boucle, vous commencez à connaître, hein. Donc on prend les deux fils en bas, je passe celui de gauche en dessous, je l'entoure deux fois autour du fil, 1, 2, ensuite je poursuis ma boucle en passant le fil de droite au-dessus du fil de gauche, je fais deux nœuds avec ce fil de gauche, 1, 2, ensuite je fais 3 nœuds inversés, donc je repasse en dessous le fil qui fait les nœuds, et je fais une boucle. Alors, je passe en dessous, 2, je passe en dessous, 3 nœuds, ça commence à former la boucle, je rejoins celle qui descend, le fil qui descend, et je l'entoure autour de, du fil sur lequel j'ai fait les nœuds, donc 1, 2, je récupère celui qui se trouve aussi sur la boucle, je le passe en dessous et je l'entoure autour, 1, 2, je laisse ces trois fils là, le fil qui supporte les nœuds, je vais le biseauter si c'est pas déjà fait, et je vais enfiler une ronde de 2,5 et 2 perles Miyuki. Donc une ronde de 2,5, puis 2 Miyuki, des rocailles, voilà, je remonte le tout, et ensuite je viens fixer cet ensemble sur les quatre fils du centre, du motif à gauche en fait, et je les fixe comme d'habitude, c'est-à-dire que je les entoure autour de ce fil que je viens de faire. Donc, hein. Je serre un peu là du coup pour que ça soit bien fixé au motif du centre. Deux. Trois. Quatre. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, donc on commence par la boucle. Donc voilà, je fais passer le fil de droite en dessous, je fais des nœuds avec, deux nœuds, autour du fil que je tiens dans la main. 1, 2, je prends les deux qui sont à droite, je fais passer celui de gauche au-dessus de celui de droite et j'entoure avec celui de droite deux fois. Je fais des nœuds. 1, 2, et ensuite je fais 3 nœuds inversés. Donc je repasse le fil qui fait les nœuds en dessous, 1, 2, 3,
ça fait une petite boucle. Je continue ma boucle en entourant autour de ce fil celui qui descend du début de la boucle. Deux fois. Un. Deux. Et je poursuis en récupérant le fil qui était aussi sur la boucle. Je le passe en dessous et je l'entoure deux fois. Un. Deux. J'enfile une ronde de deux. Donc on biseaute. Et de gnocchi. Hop, deux gnocchi. Donc, une, deux. J'attache le tout sur les quatre fils du centre. Alors. Donc deux nœuds à chaque fois. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Voilà, et je termine par un nœud au centre avec les deux du centre du coup qui se rejoignent. Je passe celui de droite au-dessus de celui de gauche et je fais les nœuds avec celui de gauche. 1 et 2, et là c'est la fin de l'étape numéro 11. Donc pour l'étape suivante, l'étape numéro 12, on va répéter l'étape numéro 8, c'est-à-dire qu'on va refaire le schéma du milieu. Donc on va s'occuper que des fils qui sont au centre. Je vais aller plus vite du coup, puisque c'est l'étape 8 pour celles qui ont besoin de vérifier comment on fait. Donc on commence par faire le petit motif du centre avec les quatre fils du centre. Donc on prend les deux fils de gauche, on passe celui de droite au-dessus et on loupe deux fois. 1. 2. Ensuite, on passe en dessous et on fait deux autres nœuds, dans l'autre sens du coup. 1. 2. On fait pareil avec les fils de droite, donc on les démêle avant. Je passe le fil de gauche au-dessus du fil de droite et je noue avec le fil de droite, donc deux fois. 1. 2. On le passe en dessous, on fait deux autres nœuds dans l'autre sens. 1, 2, ensuite, alors je vais l'accrocher pour pas que ça bouge trop, je fixe le petit motif du centre, donc on fait passer le fil de droite par-dessus celui de gauche et on fait un nœud au centre, on croise au centre, 2, voilà, là je sers bien en vrai, hein. Je prends les deux fils qui sont juste au-dessus, et... je fais 6 nœuds croisés, donc je prends celui de droite, je le passe au-dessus de celui de gauche et je fais les nœuds avec celui de gauche. Donc j'en fais 6 croisés, ça veut dire qu'à chaque fois ils vont changer de sens. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6, je viens les fixer au motif du centre pour que ça fasse un petit cœur. Donc il passe au-dessus et j'entoure les deux autres qui descendent dessus. Deux fois à chaque fois. 1, 2, 1, et 2. On fait la même chose du côté droit, donc je prends les deux derniers fils près les proches du motif central. Je fais 6 nœuds croisés en allant vers la gauche, donc cette fois-ci je passe celui de gauche au-dessus de celui de droite, et je fais les nœuds avec celui de droite. Et je les inverse. 1, à chaque fois je le passe en dessous, 2, 3. Hein.
4, 5, 6. Ensuite, je viens fixer ce fil qui a tous les nœuds sur les deux autres qui descendent du motif central. 1, 2, 1, 2, hop. À l'aide des fils qui sont au centre, là je ne les noue pas, hein, j'oublie pas de ne pas les nouer, je vais faire des boucles avec, de chaque côté. Donc la boucle, vous avez déjà vu plein de fois comment on la fait, donc je ne réexplique pas, je vais plus vite. Et on finit par les croiser au centre. 1, 2. Et donc là, vous avez fini l'étape 12. Pour l'étape 13, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir au-dessus de la perle qui est là. On va ensuite faire 10 nœuds inversés pour descendre tout du long. On va les fixer sur les trois fils qui sont ici. Ensuite, on fera 6 nœuds inversés, donc pour faire cette partie-là. Puis on enfilera les trois Miyuki et on finira par ça. Voilà, et on fait pareil des deux côtés, comme depuis le début. Donc on part au-dessus des perles. On fait donc 10 nœuds inversés. Comme je suis du côté gauche, je vais passer le fil droit au-dessus du gauche et je vais faire les nœuds avec celui-ci, avec le gauche. Et donc j'en fais 10 et ils sont inversés. Donc 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et le dixième donc avec le fil qui va partir vers l'extérieur. J'essaie de l'arrondir un petit peu, je le fixe au fil qui est à la base des, trois perles, des deux perles Miyuki. Donc je l'entoure autour. 1, 2. Je reprends donc, c'est tout le même fil. Celui qui fait les nœuds, je vais en faire à nouveau
6 nœuds inversés, donc comme celui qui a fait le nœud, je le repasse en dessous. Et j'en fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais enfiler 3 perles Miyuki et ensuite je viendrai finir en rattachant ici en bas. Donc je fais un petit, le biseau y est déjà, je mets 3 perles Miyuki. Donc, 1, 2, et la troisième. Je les mets à la suite, et donc je rattache les 4 fils là, en les prenant dans le bon sens, dans le même ordre. Et en serrant bien près du motif, pour que ça soit bien accroché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, on fait pareil de l'autre côté, donc on remonte au-dessus des perles, on prend les deux fils et on fait 10 nœuds inversés. Donc comme je suis à droite, je vais faire passer le fil de gauche par-dessus celui de droite et je vais faire les nœuds sur celui-ci avec celui-ci. Donc on commence, on en fait 10 et ils sont inversés, donc 1, je passe en dessous, 2, je passe en dessous, 3, je passe en dessous, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dixième. Ensuite, je rattache ce fil-là à celui qui sort de dessous les perles, donc que j'entoure autour du fil que je viens de faire. 1, 2. Maintenant, comme j'ai fait les nœuds avec ce fil ici, je vais le repasser en dessous et je vais faire 6 nœuds inversés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'enfile 3 perles Miyuki. Une, deux et trois. Et j'attache sur le motif central. Donc deux nœuds à chaque fois. Tour. Un, deux. 5, 6, 7, 8, et je fais un nœud au centre avec les deux du centre, donc je passe celui de droite sur celui de gauche, d'accord, et je rentre celui de gauche dessus deux fois, voilà, donc là, c'est la fin de l'étape 13. Pour l'étape 14, on va repartir donc d'en haut, d'ici. On va se travailler les trois fils ensemble et on va faire des baguettes verticales. Donc des baguettes verticales, ça donne quoi? Ça donne ça. Voilà, c'est ça. Donc on va partir de là, on va en faire et on va les refiler, on va les fixer ici sur les fils qui sortent de la boucle.
Et on va mettre une perle ronde ici et on va terminer ici pour l'étape qui vient. Donc ça, c'est l'étape 14. Donc je vous montre comment on fait pour faire les rangs de baguettes verticales. On prend le fil qui est tout en haut, on va le passer en dessous des deux autres. Et on va le nouer, on va le passer sous le premier d'abord. Et on va le nouer, du coup on change le sens des nœuds, on va le nouer autour. Donc on fait deux fois. 1, 2. Prenez le fil suivant, qui sort du cabochon. On passe le fil au-dessus et on va nouer deux fois celui qui, c'était celui qui était en haut, celui avec lequel on fait les nœuds. On continue. On en fait deux fois tour. 1, 2. Et maintenant, on va repartir dans l'autre sens et on va faire ça 10 fois au total. Donc là, on a déjà fait une fois. Donc là, le fil qui fait les nœuds, il passe en dessous. Et on fait deux nœuds autour du fil. 1. 2. On prend le suivant, on le fait passer au-dessus. Et celui qui fait les nœuds passe en dessous. Et on fait deux nœuds. 1. 2. Donc là, on a fait un aller-retour. On va en faire 5 allers-retours ou 10 allers si vous préférez. On en a fait 2. Donc celui qui fait les nœuds passe en dessous. On l'entoure autour du fil, deux fois, 1, 2, on prend le suivant, on le passe au-dessus, et le fil qui fait les nœuds passe en dessous, deux fois, donc là on en est à 3 allées. À nouveau je passe celui qui fait les nœuds en dessous, et j'entoure deux fois autour du fil, 1, 2, donc on a fait 4 fois le travail, on continue. 5. 7, 8, 9. Une dernière fois, ça fera 10. 10. Et voilà. On va venir maintenant fixer ces deux fils, les deux, hein, il va falloir faire les nœuds autour des deux, autour des, des deux fils suivants, ceux qui sortent de la boucle en fait, pas l'autre du dessous, que les deux qui sortent de la boucle. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de faire autour du premier brin, comme ceci. Il passe donc au-dessus et le fil qui fait les nœuds passe en dessous. On l'entoure deux fois autour. On serre bien après du motif. 1, 2. Et après, je prends le deuxième fil qui sort de la boucle. Il est aussi en dessous du fil et il fait deux nœuds autour. Donc, 1 et 2. Donc là, voilà, je laisse tomber pour l'instant ce fil. Je reprends celui qui est à côté, c'est-à-dire qui descendait du schéma aussi, là, voilà, le deuxième fil qui sort de là. Et même chose, je vais entourer deux fois les fils qui sortent de la boucle. Donc, 1, 2. Voilà, donc ça c'est fait.
Ensuite, ce que je vous demanderai de faire, c'est de mettre une perle ronde sur le fil qui est tout seul. Donc on met une perle ronde, pardon, de 2,5 de diamètre. Voilà. Et on attache, une fois qu'on a mis la perle, ce fil, on fait des nœuds autour du fil qui descend. C'est là où on fait les nœuds baguettes. On fait deux nœuds à chaque fois avec, sur chaque fil. Un, deux, et on fait pareil avec l'autre. Un. Et deux. On va faire pareil, le même travail de l'autre côté. Donc on part d'en haut. Je vais descendre tous les fils qui ne me serviront à rien. Voilà. Voilà. Tout ça, ça ne sert à rien pour l'instant. Je ne garde que ceux qui vont me servir pour faire le travail qu'on vient de faire. Donc on prend les trois en haut. On commence donc par faire prendre celui qui est tout en hauteur, et c'est celui qui va servir à faire les nœuds. Donc je le passe en dessous du premier fil et je fais deux nœuds. Je passe en dessous du deuxième et je fais deux nœuds. Et maintenant, on va le faire 10 fois en inversant à chaque fois le sens. Donc, on passe le fil qui fait les nœuds en dessous. On fait deux nœuds. Sur l'autre aussi. Voilà. On repasse le fil qui fait les nœuds en dessous. On entoure deux fois et vous faites ça 10 fois de suite. Là, j'en suis à la troisième fois. C'est mon troisième rang que je fais comme ça. 3, donc. Quatre. Sept. Huit. Neuf. Et on fait le dernier rang, 10. Et donc, comme tout à l'heure, on va fixer ces deux fils, là, c'est là, sur les deux suivants. Donc, moi, je fais un à la fois, c'est plus facile pour moi, je trouve. Donc, je fais d'abord le premier fil de la boucle qui est là. Je le fixe autour du premier fil de ce qui descend, là. Donc, deux nœuds. Alors, ça me gêne. Donc, est-ce que je l'ai fait? 1, 2, je prends le suivant, je fais deux nœuds. 1, 2, ensuite,
On va faire les nœuds autour de celui-ci, celui qui descend là. Celui-ci servait à faire d'autres nœuds. Donc on prend celui qui est dans le prolongement et on fait deux nœuds. Un, deux, et même chose avec le fil d'à côté. Un et deux. Voilà. Maintenant, on enfile une perle sur le fil qui est tout seul. Qui est là, qui est au milieu là. On met une perle ronde. On la fait descendre jusqu'au motif et on l'accroche sur les deux fils baguettes qui descendent. Hop. Donc ils sont au-dessus, les fils qui descendent, hein, et on entoure autour avec le fil qui maintient la perle. Un, deux, un, et deux. Et voilà, on vient de terminer donc l'étape numéro 14. Pour l'étape 15, donc on va repartir de la boule qui est ici, c'est-à-dire celle qui est ici. On va continuer à descendre les rangs verticaux, on mettra une boule ici au fil qui est tout seul, et on va redescendre jusqu'ici. Voilà, on va faire de là à là, ces rangs verticaux là. Donc on repart des deux fils qui nous permettent de faire des baguettes verticales. On prend le dernier fil qui nous a servi à faire des nœuds. Et on va donc en faire normalement deux rangs. Donc on passe le fil qui fait les nœuds en dessous et on fait deux rangs autour. Donc hein, ah, je suis gênée par ça, donc je le repousse. Mettre ici. Donc, 1 et 2. Pareil avec le fil d'à côté. 1, 2. Je passe le fil qui fait les nœuds en dessous et je refais deux rangs. Enfin, deux nœuds à chaque fois. 1, 2. Celui d'à côté, même chose. 1, 2, 3. Je fixe ensuite l'ensemble au fil qui est tout seul près de la boucle. Donc, même chose que tout à l'heure, je le fixe sur les deux fils qui descendent. Deux. On fait passer sous l'autre et on entoure autour. 1, 2. Avec ce fil, je vais faire donc 4 rangs qui vont descendre donc jusqu'au fil qui est ici, sur lequel je mettrai une boule, une perle. Donc on y va, j'en fais 4. 1. 2. Toujours, hein, je continue mes baguettes verticales en fait, c'est ça que je suis en train de faire. 2. 1. Donc là ça fait 1. Et on a dit que j'en voulais 4. Hein. 2. Je repasse en dessous. 3. 3. Et de 4. Voilà. Maintenant,
je vais mettre une perle de 2,5 sur le fil qui est tout seul là au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez, celui-ci. Donc je mets une boule, une perle de 2,5, comme celle qu'on a utilisée depuis le début. Et je fixe ce fil sur les deux qui descendent pour continuer les baguettes verticales. Ou les barrettes verticales, je ne sais pas comment on appelle ça. Et de deux. Une fois que j'ai fait ça, je refais 4 rangs, donc avec le fil qui m'a servi à faire les nœuds, le dernier. Je refais 4 rangs, 4 allées. Donc, un, deux. Et 4. Et on va fixer donc cet ensemble de 4 points. On va le fixer, les barrettes verticales, au fil qui sort juste au-dessus des 3 petites rocailles qui sont tout en bas. Donc on prend le fil, on le passe en dessous du premier fil et on le fixe avec 2 nœuds. Et on fait pareil avec celui qui est juste après. On le passe en dessous, le fil des perles, celui qui sort des perles, on le passe en dessous. On le passe en dessous et on l'entoure 2 fois autour du fil de gauche des barrettes verticales. Et pour l'instant on s'arrête pour ce côté-ci et on fait pareil de l'autre côté. Donc on reprend au niveau de la perle, on prend les 2 fils qui font les barrettes, on prend le dernier qui nous a servi à faire des nœuds et c'est reparti pour faire 2 rangs. Donc je passe le fil qui fait les nœuds en dessous. Je le passe sous le deuxième. Donc là, on en est à 1 rang. Je le repasse en dessous et je refais 2 nœuds. Même chose avec le fil d'à côté. Une fois que ça c'est fait, je peux fixer les baguettes verticales sur le fil qui part de la boucle. Une fois de plus, je fais fil après fil, hein, donc je passe sous le premier fil vertical, je fais 2 nœuds avec, 1, 2, je le repasse sous le deuxième et je l'entoure autour de l'autre, 1, 2, donc là, il est accroché. Ensuite, je repars et je fais 4 rangs. Donc, 4 fois 4 allées. Donc, là, ça fait 1 seulement. Passe le fil qui fait les nœuds en dessous. En dessous du deuxième. Deux. On continue, on passe en dessous, on en fait un troisième rang et un quatrième. Yeah.
Voilà, ça fait 4. Je fixe maintenant cette partie au fil qui sort de dessous des perles. Par contre, je rajoute une perle avant, une ronde. Hein. On n'oublie pas de rajouter la ronde comme en face. Donc, je passe le fil de la, où il y a la perle en dessous et je le fixe en baguette verticale. Donc, 1, 2, 1, 2. Et ensuite, il nous reste à faire 4 rangs pour descendre jusqu'aux perles qui sont ici. Donc, on repasse le fil qui fait les deux en dessous. Et on fait 4 fois l'allée. Une fois. Deux fois. Trois ronds et le dernier pour repartir de l'autre côté. Et de 4. Et donc maintenant, on fixe le fil qui sort au-dessus des perles Miyuki, là. On le passe en dessous et on le fixe sur les deux nœuds, les deux fils de baguette, là. Hein. Et on fait pareil avec le deuxième fil qui est dans la, qui poursuit le nœud, là, la baguette. Et on fait deux nœuds avec ce même fil. 1 et 2. Et voilà, vous avez fini l'étape 15. Donc pour l'étape 16, en fait, on finit de faire les baguettes verticales jusqu'en bas. Et donc on va poursuivre avec deux rangs ici. Et on va tout fixer ici, pareil ici, et on va tout fixer ici. C'est pour terminer donc cette partie pour arriver jusqu'en bas là. Voilà. Donc on reprend le motif de gauche là où on s'était arrêté. On prend les deux fils qui descendent et on prend celui de gauche immédiatement à gauche pour pouvoir faire les nœuds. Donc, on le fait passer en dessous pour aller faire les nœuds vers là-bas. Et on fait deux nœuds. Donc, 1. Deux. On refait un autre. Donc ça fait un rang. Et de 2. Maintenant, on fixe tout l'ensemble. Les 5 fils du centre, là, on va les fixer sur ces deux baguettes. Enfin, on va poursuivre les baguettes avec ces 5 fils. Et donc, moi, je fais toujours ce que je vous ai dit. Hein, je commence d'abord par enfiler tous les fils, entourer les fils autour du premier fil qui descend. Comme ça me permet de tous les faire sans en oublier. Voilà, maintenant on reprend tous ces fils, on les passe dessous le deuxième fil donc qui descend depuis le cabochon jusque là. Donc on va passer, on va faire les nœuds aussi autour de celui-ci.
Et voilà, on a fini un côté, enfin de ce, des baguettes verticales. On fait la même chose de l'autre côté, donc on a dit qu'on faisait juste deux allées avec les baguettes verticales. On prend le fil qui se trouve immédiatement à gauche, à droite, pardon, et on le passe dessous pour faire les nœuds. On fait deux allées, un aller-retour. On repasse le fil qui fait les nœuds en dessous pour faire l'autre côté. Je prends le deuxième fil là, qui descend là et je fais aussi les nœuds autour. On a fait les deux rangs. Maintenant, je vais accrocher tous les fils du milieu, là, du motif central, dessus, y compris ceux-ci. Donc, et donc, je reprends les deux derniers fils. Voilà. Maintenant, je fais la même chose avec le deuxième fil vertical, là, qui descend. Attendez, juste que je le retrouve. On est d'accord, c'est celui qui descend du fil à l'extérieur là, donc on le prend et on enroule tous les autres autour pour finir la pointe. À chaque fois on fait deux nœuds, même chose. Et voilà, vous venez de finir l'étape numéro 16. Pour l'étape 17, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire en fait la boucle qui est ici, avec toujours les baguettes verticales. Donc on va faire une boucle, mais avec des baguettes verticales par deux. Donc on va avoir besoin des 6 fils du centre. Donc je prends les 6 fils, les 3 fils à gauche, les 3 fils à droite, les autres je peux les remonter pour l'instant. Et donc on fait le principe des baguettes verticales, on commence par faire celle-ci dans le prolongement et on va faire 4 allers-retours. Donc on fait comme tout à l'heure, on prend le fil qui est à l'extérieur, on passe en dessous pour faire les nœuds et on en fait donc 2, 1, 2, on passe le fil l'autre au-dessus. Et on l'entoure celui qui fait les nœuds autour, donc deux fois, 1, 2. On va faire 3 autres rangs, dans le même principe, donc on va juste le crocher pour ne pas être gêné. Donc je reprends le fil qui fait les nœuds, je le passe en dessous, et j'entame mon deuxième rang. Même chose avec le fil d'à côté, je le passe le fil qui fait les nœuds en dessous. Deux. Je poursuis un troisième rang. Un. Deux. Un. Deux. Et un quatrième, donc celui qui fait les nœuds passe en dessous une fois de plus et s'entoure autour du fil que je maintiens.
Voilà. Et on fait avec l'autre aussi. Donc là, on a fait les baguettes verticales sur 4 rangs, avec les fils de gauche. On va faire pareil avec les fils de droite. Donc ça, on peut les laisser là pour l'instant. On prend donc ceux qui sont à droite, et on va faire les nœuds avec celui-ci, celui qui est le plus haut. Donc on passe sous le premier fil, et on l'entoure deux fois autour de ce fil. Donc, 1, 2, on fait passer l'autre fil en dessous, au-dessus, pardon, et on fait pareil, deux fois, 1, 2, on le repasse en dessous pour poursuivre les nœuds, on fait, j'ai dit 4 fois le nœud, donc là, c'est le deuxième rang que je fais. Voilà, on a fait les 4 rangs pour les deux côtés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser en fait les fils, comme ça, pour faire une boucle. Et donc, pour ceci, on va commencer avec le fil de droite le plus haut. On va le passer sur les deux autres. On va enrouler les fils de gauche sur le fil qui vient de droite. On va faire les deux. 1, 2. Même chose avec celui-ci. 1, 2. Ensuite, on prend le fil d'à côté, celui qui est ici, qui descend, là, et on entoure les deux qui viennent de là. On entoure avec les deux qui viennent de là. Là. Voilà, et c'est fini. L'étape 17 est terminée. Pour l'étape 18, on va finaliser le petit dessin qui est en bas. Donc, ce qu'on va faire, nous, on a fait la boucle du milieu. Donc, on va faire les deux de chaque côté. Donc, ce sont que des rangs inversés. Ça va aller assez vite. Donc, pour ça, on prend les deux fils qui se trouvent à gauche. Les deux premiers fils qui se trouvent à gauche du motif central. Donc, le motif central, pour moi, c'est celui-ci. Et on prend les deux premiers. On fait 12 nœuds inversés. Donc, comme on est du côté gauche, on fait passer le fil droit au-dessus du fil gauche. Et on fait les nœuds avec celui-ci. On fait 12 nœuds. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On fixe ces 12 nœuds sur les trois fils du milieu. Donc, même chose, on fait passer le fil sur lequel on va faire les nœuds au-dessus et on fait les nœuds avec les trois brins qui sortent du motif central. Donc, 1, 2 nœuds à chaque fois, 2, 1, 2. 1, 2, maintenant on fait la même chose du côté droit, donc on prend les deux fils suivants, on fait 12 nœuds inversés, donc on met au-dessus celui-ci et on fait les nœuds avec celui-ci, donc 12 fois, 1, 2, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va fixer donc ça au motif central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire la même chose avec les deux fils suivants, sauf qu'au lieu de faire 12 nœuds croisés, on en fait 14. Donc on commence, même chose, on fait passer le fil droit au-dessus du fil gauche et on fait les nœuds avec celui de gauche. Donc on en fait 14. 1, 2, 3, 4.14. On peut les fixer maintenant sur tous les bras qui sont au centre. Et 5. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on prend les deux derniers fils qui se trouvent juste après ce motif-là. Et on fait 14 nœuds inversés en partant donc vers la droite. Donc, on fait passer le fil de gauche sur le fil de droite. Et c'est celui qui est en dessous qui fait les nœuds. Donc, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et maintenant, je les fixe sur tous les bras qui sont au centre. 1, toujours en faisant attention de ne pas mélanger les bras, de ne pas les faire se croiser, en fait, à l'origine. 2. Sinon, ça fait des défauts dans le dessin du macramé. Et voilà. Et maintenant, je noue les deux du centre. Et donc, nous avons fini l'étape 18. Pour la dernière étape donc de cette partie du bracelet, il nous suffit de faire la tresse qui va pouvoir nous aider à fermer le bracelet. Moi, je fais une tresse avec 4 brins, mais je ne sais pas faire une jolie tresse ronde à 4 brins. Donc, je fais une tresse plate, mais je prends quand même 4 brins. Et pour moi, la tresse, je la fais de telle sorte qu'elle mesure
5,5 cm. Comme ça, ça laisse de la marge pour ceux qui ont le plus gros poignet, ils peuvent quand même mettre le bracelet sans problème. Donc 5,5 cm à peu près, hein, ça arrive comme ça, ici. Donc j'ai fait arriver ma tresse à cette taille-là à peu près. Voilà. Donc vous faites une tresse toute simple, hein, avec les quatre fils du milieu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets les deux du milieu ensemble et je commence à tresser. Donc comme on fait une tresse, hein, normalement. Là. Alors, ça m'ennuie parce que ça monte, donc je vais l'accrocher différemment. Voilà. Et donc, je continue ma tresse. Donc je remonte un peu le plateau pour que vous voyez où j'en suis. Je vous ai dit que je voulais que ça arrive à peu près à hauteur de l'épingle jaune là, 5,5 cm. Donc voilà. Une fois que j'ai la bonne longueur, je mets mes doigts de ce côté-ci. Je fais un nœud avec tous les fils, sans bouger mes doigts pour ne pas perdre la mesure, et pour pas que la tresse soit trop lâche après. Et je serre discret, tout doucement avec l'autre partie, avec l'autre main. Voilà. Pour être sûr que tous les fils soient bien serrés, ben je les serre un par un. Je les serre tous au moins une fois. Pardon, vous ne voyez pas sur l'image. Hop. Ensuite, pour faire une jolie finition au bracelet, ce que je fais, moi, c'est que j'enfile une perle carrée de chez Perle & Co qui fait 2,5 cm. Et donc, pour ça, il va falloir l'enfiler dans le trou, mais il est assez gros. Donc, je coupe en biseau. Comme ça. Voilà. Et une fois que c'est coupé, j'enfile tous ces fils dans la perle carrée. Donc d'abord 2, 3, ça rentre tout seul, 3. Et après le dernier, j'essaie de l'aplatir au maximum. Normalement ça passe bien les 4 fils. Voilà. Je pousse la perle près du nœud qu'on vient de faire. Et maintenant je vais couper les fils à quelques centimètres, quelques millimètres, pardon, pas plus de 4, hein, 4, 3. Et en fait, je vais brûler l'extrémité pour que ça fasse de la cire. Et une fois que c'est bon, que c'est plus trop chaud, je l'écrase sur la perle pour pas que ça sorte. Donc là, voilà, on a réussi à faire le bracelet jusqu'à la tresse. Pour les finitions, en ce qui concerne le bracelet, donc on décroche tout. Et en fait, on va couper les fils petit à petit. Donc, je vous montre. Voilà. Donc ici, je vais couper les fils. D'abord, j'essaie de les mettre un petit peu en forme pour qu'ils se mettent bien sous le motif après. Donc je coupe les fils, j'y vais mollo, enfin voilà, un petit peu, pas très loin du bord. Ça fait 1 mm, un peu plus, et je les brûle de façon à ce qu'ils deviennent tout mous. Et je les colle contre le macramé, mais plutôt en dessous. Donc c'est comme ça qu'on finit les bracelets en macramé. En général, on coupe les fils petit à petit et on les colle en dessous. Donc les suivants, même chose, je les coupe. Je les brûle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais en fait. Je les brûle. Voilà. Même chose pour le suivant. Donc là, j'espère que vous voyez ce que je fais. Je coupe les fils.
Voilà. Et je vais les brûler petit à petit. Et quand ils sont chauds, on les aplatit bien dans le macramé, comme ça ils ne bougent plus après. Voilà. Les trois suivants. Alors faites attention parce que ça brûle des fois. Voilà ce que ça donne. On fait l'autre côté. On se débarrasse des fils qui ne servent plus à rien. Donc, je vais couper les fils qui sont ici. Je brûle. Et je colle. Même chose avec les trois suivants. Et les cinq derniers. Voilà. Alors peut-être que vous allez me dire, il reste beaucoup de fils, c'est du gâchis, mais en fait, moi je préfère en avoir plus et pas en manquer, parce qu'une fois que vous en avez pas assez, c'est galère pour en, c'est difficile, à, enfin, difficile d'en rajouter. Et puis au moins, on peut agrandir le bracelet si on a besoin de l'agrandir. Donc là, vous avez fini la moitié du bracelet. Et bien, pour faire l'autre côté, il faut que vous recommenciez la vidéo, il faut que vous repreniez la vidéo à partir de la troisième étape. Et vous suivez les étapes jusqu'à la 20e. Et une fois que vous aurez fini l'autre côté, je vous montrerai comment coller le cabochon et comment finir le bracelet. Donc, ce sera l'étape 21 et ce sera la dernière. Donc, on va passer à l'avant-dernière étape qui est celle de coller le cabochon parce que, comme vous pouvez le constater, il s'en va facilement donc du bracelet en macramé. Pour être sûr de ne pas le perdre, moi c'est la seule solution que j'ai trouvée. Je ne voulais pas réentailler les perles parce que les cabochons parce que j'avais peur de les casser, même avec une mini ponceuse Dremel là. Donc ce que je vais faire moi, c'est je vais vous montrer comment je le colle. Je l'ai fait sur le bracelet d'une amie et en fait ça fonctionne bien. Hein, le bracelet est là. On voit la colle, ça brille, mais ça bouge pas. C'est comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein, au début du montage, ça ne bouge pas normalement. Donc je vais vous montrer comment je fais pour procéder à cet encollement de cabochon. Donc, la colle en laquelle j'ai vraiment confiance, c'est la colle Azulite, parce que je trouve qu'elle est vraiment hyper efficace. Donc vous vérifiez bien juste avant de commencer que vous avez bien mis votre cabochon quand même un minimum dans les rayures, dans la rainure, pour être sûr que ça corresponde bien et qu'on voit pas la rainure au-dessus, qu'il soit bien au milieu et bien positionné. Et donc vous le retournez. Moi je mets pas la colle directement sur le bracelet parce que en général j'ai peur de l'abîmer, donc ce que je fais c'est que je mets de la colle sur un papier. Là j'en mets une assez grosse quantité parce que je vais en mettre sur tout le cabochon, histoire de me dire qu'il va pas se faire la malle. Voilà, et je prends un cure-dent pour pouvoir le faire. Alors j'avais sorti un cure-dent, évidemment, je ne le trouve plus. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, ben, je vais rechercher un cure-dent. Vous prenez un cure-dent. Voilà. S'il veut bien daigner sortir, on va l'arriver. Bon, j'aurais dû le préparer à l'avance, c'est ce que j'avais fait, mais je ne le retrouve plus. Donc une fois que vous avez votre cure-dent, vous prenez la colle par paquet et vous la mettez bien tout autour. Alors au début, moi ce que j'avais fait, c'est que j'en avais vraiment mis sur le cabochon, histoire que ça fasse quelque chose d'uniforme entre la colle et le cabochon. Et vous essayez d'aller au maximum sur les fils, sans dépasser, sans que ça aille dans les trous pour pas qu'on la voie en fait. Donc voilà. J'applique vraiment beaucoup de colle.
D'ailleurs, je vais quand même en mettre un petit peu au dos du cabochon pour pouvoir l'étaler. Voilà. Vous l'étalez comme ça après avec le cure-dent. De façon à ce que ça aille vraiment partout. Que ça empiète vraiment sur le macramé pour qu'il soit vraiment collé partout sur les bords. Voilà, moi je fais comme ça. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres solutions. Je suis ouverte à toutes les autres solutions parce que j'en ai pas trouvé une autre. Donc je vais en remettre parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez sur les bords. Voilà, et avec le cure-dent, en fait, ça permet d'être plus précis et de vraiment en coller le cabochon comme il faut sur le macramé. Alors, c'est pas très joli, je suis d'accord, hein, ça fait moins classe qu'un bijou qui est fini au laiton derrière, mais c'est ce qu'on a, donc on fait avec, et c'est pas si mal que ça. Le résultat final est très joli. Donc voilà. Par contre, il faut laisser sécher. Et donc, je ne ferai la fermeture du bracelet que lorsque la colle sera complètement sèche. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bon, vous vérifiez bien quand vous le faites, hein, que vous mettez de la colle partout sur les bords, que ça aille bien sur le macramé, de façon à ce que le cabochon ne bouge plus du tout. De l'autre côté, ça n'a pas dépassé, donc on laisse sécher tranquille comme ça. Et une fois que c'est sec, je vous montre comment on fait la fermeture. Donc je reviens avec le bracelet, il n'est pas complètement sec, hein, mais faudra attendre avant de le mettre. Par contre, on peut faire la tâche. Donc pour faire la tâche, vous faites rejoindre les deux tresses. Et vous allez faire déjà, prenez un petit fil, un des fils que vous avez coupé en trop, un des plus grands qui vous reste. Vous le pliez en deux et vous faites un nœud autour des deux tresses. Bon, déjà, vous faites un nœud en essayant de le mettre à peu près au milieu. C'est pas grave si c'est pas exactement au milieu. Mais surtout, vous prenez les deux bras, hein, les deux tresses. Voilà, et vous serrez un petit peu. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des nœuds plats tout du long du... Enfin, pas tout du long, mais la largeur que vous souhaitez pour votre attache. Pour faire un nœud plat, donc, vous prenez un des deux fils, vous le mettez au-dessus. Donc, vous le passez... J'espère que vous voyez, vous le passez au-dessus des deux tresses. L'autre fil, il passe au-dessus du fil que vous venez de mettre. Et après, vous le passez sous les deux tresses, à l'intérieur de la boucle. Voilà, et vous tirez tout doucement sur les deux fils, de façon à rapprocher donc les nœuds. Une fois que vous avez fait ça, sur les tresses que vous avez. D'un côté, vous avez un petit pont, de l'autre, c'est un creux. Là où il y a le petit pont, vous prenez le fil et vous le mettez au-dessus de la tresse. C'est toujours celui, il y a le petit pont qui... en fait, il faut inverser à chaque fois. Une fois, c'est le côté qui est là, on met au-dessus. Une fois, c'est après, on met au-dessus. Donc, vous mettez le fil au-dessus. Vous passez sur le fil qui est en face et vous ressortez par-dessous dans la boucle que vous avez fait. Ça fait deux. Vous pouvez assez serrer parce qu'après, il faut que ça coulisse. Là, ça peut coulisser. On voit bien que ça coulisse. Mais il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à serrer quand même, malgré tout. On fait la suivante. Le petit pont, il est ici. Ce que j'appelle le petit pont, c'est le point qui est au-dessus. Là, ça fait un creux. Donc, vous mettez le côté où il y a le petit pont au-dessus de la tresse, des tresses. Vous passez le fil au-dessus du fil que vous venez de... boucler et vous reprenez le fil à l'intérieur de la boucle que vous avez formée. Et vous faites ça plusieurs fois de façon à obtenir un petit fermoir. Donc là, je recommence. Le pont est ici, donc je passe ce côté-là au-dessus. L'autre fil en chevauche le fil que vous venez de passer au-dessus et vous le rattrapez par la boucle à l'intérieur, par en dessous. On recommence la boucle de ce côté-là, au-dessus. Je fais passer le fil au-dessus et je reprends le fil à l'intérieur. À chaque fois, vous vérifiez que vous avez bien les deux tresses
qui sont prises. Voilà. Bon, je vais en faire encore un petit peu. C'est là, après, ça dépend vraiment de vous, ce que vous souhaitez pour la longueur. Ça dépend de ce que les gens veulent. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en fais d'autres. Un septième. Et même un huitième. Une fois que vous avez fait ce que vous estimez suffisamment grand, donc voilà à peu près ce que ça donne au niveau de la longueur, vous serrez et vous allez couper donc le fil au ras, comme ça. Vous allez le brûler. Et l'écraser. On fait la même chose avec l'autre. On coupe. On le brûle. En faisant attention de ne pas brûler la tresse, sinon elle va se... Et on écrase. Voilà. Le bracelet est terminé. J'espère que vous serez arrivé au bout du projet. C'est pas évident de se prendre en vidéo. Moi, c'est la première fois que je fais ça. J'espère avoir été assez claire et que les images suffiront à vous faire réaliser ce joli bracelet. Bon courage à vous. Et puis, si vous avez des questions, ben, posez-les. J'essaierai de répondre, mais je ne vous promets pas de pouvoir répondre dans la journée. Bonne fin de journée à vous.